Les astronomes se posent une question depuis des décennies. L'espace est-il vraiment aussi noir que nous le pensons? Eh bien, la mission spatiale New Horizons de la NASA vient peut-être de nous donner la réponse. Après avoir exploré Pluton, la sonde a poursuivi sa route et se trouve maintenant à des milliards de kilomètres de la Terre. Cela signifie qu'elle est loin de toute la pollution lumineuse provenant de sources telles que le Soleil et les particules de poussière autour de notre planète. Les scientifiques ont utilisé la simple caméra du vaisseau spatial pour prendre des images de ce qui ressemblait à un espace vide incroyablement ennuyeux, dépourvu d'étoiles brillantes ou de tout autre élément susceptible de diffuser la lumière vers la caméra. Ils ont ensuite traité ces images afin de supprimer toutes les sources connues de lumière visible. Après avoir éliminé la lumière des étoiles et la lumière diffusée par la Voie lactée, il ne restait plus que la lumière provenant d'au-delà de notre propre galaxie. La partie la plus surprenante. Ils ont découvert qu'il y avait encore beaucoup de lumière inexpliquée. En fait, il y a à peu près autant de lumière dont on ne connaît pas la source que de lumière provenant des galaxies connues. Cela signifie qu'il y a autant de lumière à l'extérieur des galaxies qu'à l'intérieur. D'où vient donc toute cette lumière? Elle pourrait provenir de sources que nous n'avons pas encore découvertes, comme de petites galaxies naines peu lumineuses, ou être dues à des phénomènes inconnus dans l'univers. Elle pourrait également être associée à la matière noire, qui reste un mystère pour les scientifiques. Grâce à ces recherches novatrices, nous pouvons affirmer que l'espace n'est pas aussi sombre que nous le pensons. Que se passe-t-il si nous prenons toute la lumière des étoiles et des galaxies et que nous y ajoutons des nuages de gaz et de poussière? Quelle couleur obtenons-nous? Beige. Cela nous amène à une autre question. Aurions-nous encore besoin du soleil si notre espace était coloré? Pour résumer, oui. Les couleurs de l'espace sont le résultat des interactions de la lumière avec différents objets célestes, tels que les étoiles, les galaxies et les nuages de gaz. Si ces couleurs sont fascinantes à observer, elles ne fournissent pas l'énergie dont la vie sur Terre a besoin pour survivre. Au moins, c'est clair. Ne vous attendez pas à voir la couleur du ciel et de l'espace.